Bonjour mes amis, bonjour professeur et camarade de classe, je suis Juan Carlos Custodio et bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons découvrir trois pays francophones fascinants, la Suisse, le Canada et la Côte d'Ivoire. Chacun a une culture et un riche linguistique unique. Et plongeons dans ce voyage culturel et linguistique ensemble. Suisse. La Suisse est au cœur de l'Europe et un pays multiculturel et multilinguiste. La France est le palais principalement en Suisse romande. Et c'est une région commune pour le Bir et également commune. Et Genève et Soissons et ses montages majestueuses, les Alpes suisses, côté culturel, les chocolats et les fromages suisses, comme la fameuse fondue sont emblématiques. Enfin, savoir que Genève avait de l'organisation internationale comme la ONU. Canada. Le Canada, décimé plus grand pays du monde, est bilingue avec la France et l'anglais comme la langue officielle. La province du Québec est le cœur de la francophonie canadienne où vous entendrez un accent français unique. Et le Canada célèbre sa diversité culturelle à travers des festivals comme le Carnaval de Québec et le Festival de Jazz de Montréal. Et la gastronomie est également riche avec des plats et la fournée et les fameux cigares de rap. Enfin, l'héritage est autonome. Et l'influence française s'élève malheureusement dans la culture canadienne. Et côté des bois, le français est la langue officielle, mais plus de 60 langues et locales sont également parlées. Ce pays est un variable et carrefour culturel comme pour ses musiques vibrantes comme la poupée et de Calais et les sous-glots. Et sous caution sa voie à des plages typiques comme la tique et en coscu de manioc et les photos bananes. Enfin, les desserts et mastic traditionnels et bérons sont également notables lors des festivals cérémonies. Voilà. Aperçu des richesses linguistiques et culturelles de la Suisse, le Canada et de la Côte d'Ivoire. Ces pays montrent comment la langue française unit des cultures très diverses. So, merci au revoir pour votre attention. Au revoir.